Leçon 1. Régler les frais de chambre. Anna, avant de partir, assurons-nous que tous les frais de chambre sont réglés. C'est une bonne idée, John. Nous ne voudrions pas avoir de surprise plus tard. Absolument. Il est toujours préférable de s'occuper de ces choses à l'avance. Je suis d'accord. Il s'agit d'une approche responsable visant à garantir un processus de paiement fluide. De plus, cela nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que tout est pris en charge. Absolument. C'est une chose de moins à craindre lorsque nous sommes en route. De plus, nous pouvons éviter tout malentendu ou litige par la suite. C'est vrai, il est préférable de régler tout problème immédiatement. Et c'est une bonne pratique de régler rapidement toutes les factures impayées. Absolument. Il témoigne du respect de l'établissement et de ses services. Et cela donne également le bon exemple à d'autres. Oui. Il est important d'être un voyageur responsable. Alors, allons-y et réglons les frais de chambre maintenant. Leçon 2, le tri des documents de voyage. Anna, nous devons nous assurer d'avoir tous les documents de voyage nécessaires. Tu as raison, John. Il est essentiel que tout soit en ordre avant de partir. Nous devons vérifier si nos passeports sont valides et non pas expirés. Absolument. Nous ne pouvons pas voyager sans passeport valide. Et nous devons également nous assurer d'avoir tous les visas ou permis requis. Oui, il est essentiel de vérifier les conditions d'entrée pour notre destination. Nous ne devons négliger aucune restriction de voyage ou réglementation spéciale. C'est exact. Nous devons être au courant de toute documentation spécifique requise. Et nous devons également conserver des copies de nos documents importants dans un endroit sûr. Bonne remarque, John. Il est toujours sage d'avoir des copies de sauvegarde. Nous devons également vérifier si nous avons besoin de vaccins ou de certificats médicaux. Oui, notre santé et notre sécurité devraient être une priorité. Alors, revérifions-le et veillons à ce que nationaux. tous nos documents de voyage soient en règle. Et toi, Anna Avez-vous déjà visité des parcs nationaux Oui, John. J'ai eu l'occasion de visiter certains parcs nationaux et ils étaient incroyables. Cela semble incroyable, Anna. J'ai toujours voulu visiter les parcs nationaux. Ils offrent une beauté naturelle à couper le souffle et une chance d'entrer en contact avec la nature. Je peux l'imaginer. Quels parcs nationaux avez-vous visités J'ai visité le parc national de Yellowstone et le parc national de Yosemite. Waouh! Ce sont deux parcs emblématiques. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? À Yellowstone, les caractéristiques géothermiques telles que le geyser Olfetful étaient fascinantes. Cela a dû être une expérience unique. Et qu'en est-il de Yosemite? Les imposantes falaises de granit et les superbes cascades de Yosemite m'ont émerveillé. J'imagine la grandeur de ces paysages. As-tu fait de la randonnée Oui, j'ai fait de belles randonnées et j'ai été témoin de panoramas à couper le souffle. Cela semble être une expérience inoubliable. Je vais certainement ajouter les parcs nationaux à ma liste de destinations de voyage. Je le recommande vivement, John. La nature a tant à offrir et les parcs nationaux sont un excellent moyen de l'explorer. Je vais m'assurer de planifier un voyage bientôt. Merci d'avoir partagé vos expériences, Anna. Leçon 4. Trouvez ce dont vous avez besoin. Anna, avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin pendant que nous faisions du shopping eh bien, presque tout. Il n'était plus de ma marque de chaussures préférée. C'est dommage. As-tu trouvé une alternative Oui, j'ai trouvé un style similaire d'une autre marque. C'est bon à entendre. Nous devons parfois faire preuve de souplesse dans nos choix. Absolument. Il est important de s'adapter et de trouver des alternatives adaptées. Avez-vous réussi à trouver tous les autres éléments de votre liste Oui, heureusement, tout le reste était disponible. C'est génial. Cela peut être frustrant lorsque des articles sont en rupture de stock. Oui. Mais c'est toujours une bonne idée d'avoir un plan de secours ou d'autres options en tête. Absolument. Cela aide à se préparer et à s'ouvrir à différentes possibilités. Et parfois, nous découvrons de nouveaux produits qui nous plaisent encore plus. C'est vrai, cela vaut toujours la peine d'explorer différentes options. Donc, malgré les chaussures, je suis satisfaite de ce que j'ai trouvé. Leçon 5, option végétarienne. Eh bien, oui, ils le font. Ils proposent une variété de plats végétariens. Excusez-moi, John, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Oh, je suis désolé. Ai-je dit quelque chose de mal Non, pas du tout. Je voulais juste mentionner que de nombreux endroits proposent une variété d'options végétariennes. C'est vrai, il est important de répondre aux différentes préférences alimentaires. Absolument. Le végétarisme est de plus en plus populaire. Et c'est formidable de voir des restaurants et des cafés reconnaître et accepter cela. Oui, cela montre l'inclusion et la considération pour tous les clients. Je suis totalement d'accord. Il est important de disposer de diverses options. Et ce n'est pas réservé aux végétariens. De nombreuses personnes apprécient les plats végétariens comme choix plus sains. C'est une bonne remarque. Les repas végétariens peuvent être nutritifs et délicieux. Il est donc bon de savoir que des options végétariennes sont disponibles lorsque vous dînez au restaurant. Absolument. Cela permet à chacun de trouver plus facilement quelque chose qui lui plaira. Leçon 6. Poursuivre une maîtrise. J'ai décidé de poursuivre des études de master. C'est super. Quel domaine vous intéresse Mon objectif est de mener des recherches et de contribuer à la compréhension de la cognition dans le domaine. Cela semble fascinant. Avez-vous choisi un domaine d'intérêt spécifique Oui. Je m'intéresse particulièrement à l'étude des effets de l'attention sur la mémoire. C'est un sujet difficile. Comment comptez-vous aborder vos recherches Je mènerai des expériences et analyserai des données pour découvrir de nouvelles perspectives. Cela semble être un processus rigoureux. Cela vous enthousiasme Absolument. J'ai hâte d'apporter une contribution significative à ce domaine. Je suis sûr que tu feras un excellent travail. Bonne chance dans tes études. Merci. J'apprécie votre soutien et vos encouragements. Tu es le bienvenu. J'ai hâte de connaître les résultats de vos recherches. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Merci encore, Anna. Leçon 7. Évaluer une décision. J'ai examiné la proposition et, dans l'ensemble, elle semble juste. C'est bon à entendre. Avez-vous des inquiétudes Oui, j'ai quelques préoccupations dont j'aimerais discuter. Bien sûr, repassons-les en revue. Qu'est-ce qui vous inquiète en particulier Je m'inquiète du calendrier et de son réalisme. C'est une préoccupation légitime. Avez-vous soulevé ce problème avec l'équipe Pas encore, mais j'ai l'intention d'en parler lors de notre prochaine réunion. Il s'agit d'une approche proactive. Quelles sont les autres préoccupations que vous avez Je ne suis pas non plus sûr de l'allocation budgétaire pour certains aspects. Il est important de clarifier ces détails. Avez-vous parlé au département des finances Pas encore, mais je vais les contacter pour obtenir plus d'informations. C'est une sage décision. Il est important de répondre à ces préoccupations dès le départ. Je suis d'accord. Il est essentiel de s'assurer que tout est correctement traité. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous aider. Bonne chance, John. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien et vos conseils. Leçon 8 Routine de gym. Combien de temps passez-vous à la salle de sport chaque jour Cela varie, mais en moyenne, j'y passe environ une heure et demie. C'est une routine d'entraînement assez dédiée. Quels exercices faites-vous Je me concentre sur une combinaison d'exercices d'haltérophilie et d'étirement. Comment partagez-vous votre temps entre le levage et les étirements Je passe habituellement environ 45 minutes à faire de l'haltérophilie et 45 minutes à m'étirer. Il s'agit d'une approche équilibrée. Avez-vous un programme spécifique que vous suivez Oui, j'ai un programme personnalisé conçu par un entraîneur personnel. C'est génial. Comment vous assurez-vous de rester motivé Je me fixe des objectifs spécifiques et je fais le suivi de mes progrès régulièrement. C'est une stratégie intelligente. Avez-vous des conseils pour rester cohérent Trouvez des exercices qui vous plaisent et prenez l'habitude d'aller régulièrement au gymnase. Merci d'avoir partagé vos idées. Je vais garder cela à l'esprit. Tu es le bienvenu. Bonne chance dans votre parcours de remise en forme, John. Leçon 9. Le pouvoir du travail d'équipe. Le travail d'équipe peut résoudre tous les problèmes liés aux corvées. Je suis tout à fait d'accord. Cela facilitera grandement les choses. Lorsque tout le monde contribue, les tâches peuvent être effectuées plus efficacement. Absolument. Il est essentiel de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. La communication et la collaboration sont essentielles au sein d'une équipe. C'est vrai quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout se passe bien. Il est important d'apprécier et de reconnaître la contribution de chaque membre de l'équipe. Absolument. Reconnaître les efforts de chacun rehausse le moral et la motivation. Et lorsque des défis se présentent, une équipe soudée peut trouver des solutions efficaces. Précisément. Le travail d'équipe réunit des compétences et des points de vue diversifiés. Je crois qu'en travaillant en équipe, nous pouvons réaliser de grandes choses. Je partage la même conviction. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Leçon 10 Gérer le stress. Comment gérez-vous le stress Je trouve que la respiration profonde et la méditation sont très utiles. J'ai entendu parler de la respiration profonde, mais pouvez-vous m'expliquer comment cela fonctionne La respiration profonde consiste à prendre des respirations lentes et profondes pour détendre le corps et l'esprit. Cela semble simple mais efficace. À quelle fréquence le pratiquez-vous J'essaie d'intégrer la respiration profonde à ma routine quotidienne, en particulier dans les moments stressants. Cela nécessite-t-il une technique spécifique ou est-ce que n'importe qui peut le faire N'importe qui peut le faire. Trouvez simplement un endroit calme, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Qu'en est-il de la méditation Comment contribue-t-il à la gestion du stress La méditation vous permet de calmer votre esprit et de trouver la paix intérieure. Cela implique de concentrer votre attention et d'être présent dans le moment présent. Y a-t-il un type de méditation spécifique que vous recommandez Il en existe différents types, tels que la méditation de pleine conscience et la méditation guidée. Il est bon d'explorer et de trouver ce qui vous convient le mieux. Combien de temps méditez-vous habituellement Je commence généralement par de courtes séances de 10 à 15 minutes et j'augmente progressivement la durée au fur et à mesure que je me sens plus à l'aise. C'est utile. Je vais essayer de respirer profondément et de méditer pour gérer mon stress. Je suis content de l'entendre. N'oubliez pas que la cohérence est essentielle. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils et votre soutien. De rien, John. Prenez soin de vous et accordez la priorité à votre bien-être. Je le ferai. Merci encore, Anna. Leçon 11. Laissez des objets sur le comptoir de la cuisine. Laissez-les simplement sur le comptoir de la cuisine, s'il vous plaît. Très bien, je vais le faire tout de suite. Merci, Anna. C'est pratique pour moi de les trouver là-bas. Je comprends, je ferai en sorte de tout laisser dans un endroit visible. Ce serait génial. Cela me fait gagner du temps à chercher des choses. Je suis heureuse de vous faciliter la tâche. J'apprécie votre attention, Anna. Ce n'est pas du tout un problème. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Votre aide m'est toujours précieuse. Merci, John. Je suis content de pouvoir vous être utile. Tu m'es d'une grande aide, Anna. Je suis reconnaissante de t'avoir parmi nous. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour t'aider. Leçon 12 Vérifier les détails importants. C'est une bonne remarque. Faisons en sorte de vérifier cela également. Absolument. Nous ne devons négliger aucun détail important. Je suis d'accord. Il est essentiel de faire preuve de rigueur dans notre travail. La double vérification garantit la précision et évite les erreurs. C'est vrai, cela nous aide à maintenir des normes élevées. Nous devrions prendre le temps de tout examiner attentivement. D'accord. Mieux vaut prévenir que guérir. Le souci du détail est essentiel à la réussite. Cela témoigne de notre professionnalisme et de notre dévouement. Nous devons toujours viser l'excellence dans notre travail. Absolument. Faisons en sorte que rien ne passe entre les mailles du filet. Leçon 13, arrivée différée. Je regrette de t'avoir fait attendre. C'est bon, nous sommes tous parfois retardés. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. Ne t'inquiète pas pour ça. Ces choses-là se produisent. Merci de votre compréhension, Anna. La vie est imprévisible. Nous devons faire preuve de flexibilité. Tu as raison. J'apprécie votre patience. Pas de problème du tout. Je suis là quand tu seras prête. Je ferai de mon mieux pour éviter tout retard à l'avenir. C'est tout ce que nous pouvons demander. Allons de l'avant. Merci, Anna. J'apprécie votre compréhension. Ça me fait plaisir, John. Commençons. Leçon 14. Convenir des conditions de paiement. Qu'en est-il des conditions de paiement qui conviennent à tous les deux Nous devons trouver un arrangement mutuellement bénéfique. Il est important de prendre en compte les besoins des deux parties. Nous pouvons discuter de différentes options et trouver un terrain d'entente. Cela semble raisonnable. Ayons une conversation ouverte. La transparence est essentielle dans les négociations. D'accord. Nous devons être clairs quant aux attentes. Nous pouvons parvenir à un accord qui nous satisfasse tous les deux. C'est l'objectif. L'équité est importante dans le monde des affaires. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution qui fonctionne. Merci de votre volonté de trouver un terrain d'entente. Ça me fait plaisir, John. Travaillons pour obtenir un résultat gagnant-gagnant. Leçon 15 Restez hydraté. Buvez au moins 8 verres par jour. Excellent. Il est également important de regarder la quantité d'eau que nous consommons quotidiennement. C'est exact. L'hydratation est essentielle à notre santé. Boire suffisamment d'eau permet à notre corps de fonctionner correctement. Il aide également à la digestion et à la circulation. De plus, il garde notre peau hydratée et éclatante. Absolument. L'eau présente de nombreux avantages. Il est essentiel de prendre l'habitude de s'hydrater. Nous devons emporter une bouteille d'eau partout où nous allons. C'est une bonne idée. C'est un rappel de boire régulièrement. Priorisons notre hydratation pour un bien-être général. D'accord. Vive la santé et l'hydratation, Anna. Santé, John. C'est pour prendre soin de nous. Leçon 16. Prioriser les candidats ayant une expérience pertinente. L'embauche de candidats possédant une expérience pertinente est essentielle au succès de notre entreprise. Absolument, John. Cela garantit que les nouvelles recrues peuvent démarrer rapidement et contribuer immédiatement. L'expérience permet aux candidats d'apporter des compétences et des connaissances précieuses. C'est exact, John. Cela réduit la courbe d'apprentissage et augmente la productivité. De plus, les candidats expérimentés peuvent souvent gérer les situations difficiles de manière plus efficace. Absolument, John. Ils ont déjà fait face à des situations similaires et savent comment s'y retrouver. Prioriser les candidats possédant une expérience pertinente permet également de minimiser le besoin de formation approfondie. C'est un argument valable, John. Cela permet à l'entreprise d'économiser du temps et des ressources. De plus, les candidats expérimentés sont plus susceptibles d'avoir fait leur preuve en matière de réussite. C'est vrai, John. Cela nous donne confiance dans leur capacité à bien s'acquitter de leurs fonctions. Dans l'ensemble, prioriser les candidats ayant une expérience pertinente constitue une approche stratégique de recrutement. Je suis tout à fait d'accord, John. Cela garantit que nous disposons d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Absolument, Anna. C'est un investissement dans le succès à long terme de notre entreprise. Leçon 17. Il y a même de la viande de chien au menu. J'ai entendu parler de ce nouveau restaurant qui propose des plats exotiques. Il y a même de la viande de chien au menu. Vraiment Cela semble assez inhabituel. Cependant, je préfère m'en tenir à des choix alimentaires plus traditionnels et éthiques. C'est compréhensible, Anna. Il existe de nombreuses autres options délicieuses. Absolument, John. Nous pouvons découvrir différentes cuisines qui offrent une variété de saveurs. C'est une excellente idée, Anna. Nous pouvons également essayer des fruits exotiques que nous n'avons jamais goûtés auparavant. Oui, les fruits peuvent être un choix rafraîchissant et sain. C'est un excellent moyen de satisfaire nos papilles. Absolument, Anna. Il est important d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Je suis d'accord, John. C'est fascinant de voir à quel point la nourriture peut être une aventure en soi. En effet, Anna, l'exploration de différentes options alimentaires nous permet d'élargir nos horizons. C'est vrai, John. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles cultures à travers leur cuisine. Absolument, Anna. La nourriture permet de connecter les gens et de créer des expériences mémorables. Leçon 18. J'ai accidentellement déchiré un bouton de ma chemise. Excusez-moi, Anna. J'ai un petit problème. J'ai accidentellement déchiré un bouton de ma chemise. Oh non, John. C'est dommage. Est-ce un bouton qui peut être facilement remplacé Oui, c'est un bouton standard. Je crois que je peux trouver une pièce de rechange et la recoudre. C'est un soulagement, John. C'est formidable qu'il s'agisse d'un problème mineur qui puisse être résolu. Absolument, Anna. Ce n'est qu'un petit inconvénient qui peut être facilement résolu. Si vous avez besoin d'aide pour trouver un bouton de remplacement, faites-le moi savoir. Je serais heureuse de vous aider. Merci, Anna. J'apprécie votre offre. Je vais voir si je peux trouver un bouton correspondant. Cela ressemble à un plan, John. Je suis sûre que vous serez en mesure de le réparer en un rien de temps. Je ferai de mon mieux, Anna. Il est toujours bon d'avoir quelques compétences de base en couture. Absolument, John. Être capable d'effectuer de telles réparations mineures peut être très utile. En effet, Anna. C'est une compétence pratique à posséder dans diverses situations. Leçon 19. Les avez-vous essayé avant d'acheter j'ai accidentellement acheté une paire de chaussures trop serrées. J'aurais dû les essayer avant de les acheter. C'est bon, John. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Les avez-vous essayé avant d'acheter Malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'étais pressé et je ne savais pas qu'ils seraient trop serrés. C'est toujours une bonne idée d'essayer des chaussures avant de faire un achat. Cela permet de garantir le bon ajustement. J'ai retenu la leçon, Anna. Je ferai plus attention la prochaine fois. C'est une approche judicieuse, John. Il est important de prendre le temps d'essayer les chaussures et de vérifier leur confort. Absolument, Anna. Des chaussures confortables sont essentielles à notre bien-être et à la santé de nos pieds. Je suis tout à fait d'accord, John. Cela vaut la peine d'investir du temps pour trouver la bonne solution. En effet, Anna. C'est une petite étape qui peut nous éviter des malaises et des problèmes potentiels à l'avenir. Leçon 20 Avez-vous pensé à la durée de J'ai envisagé une offre d'emploi, mais je ne suis pas certain de la durée du contrat. C'est un aspect important à prendre en compte, John. Avez-vous réfléchi à la durée du contrat et à la manière dont il correspond à vos objectifs à long terme Oui, Anna. J'évalue le pour et le contre de m'engager sur une durée précise. Il est essentiel d'évaluer si la durée du contrat convient aux deux parties concernées. Absolument, Anna. Il est essentiel de définir clairement les attentes et les engagements. Avez-vous discuté de la possibilité d'une durée de contrat flexible avec l'employeur Oui, Anna. J'ai entamé une conversation pour voir s'il y a une marge de négociation. C'est une approche proactive, John. Cela vous permet de trouver une solution mutuellement bénéfique. Il est important de prendre en compte l'impact que la durée du contrat peut avoir sur vos perspectives de carrière future. Absolument, John. Vous voulez vous assurer qu'il correspond à vos objectifs et aspirations à long terme. En effet, Anna. Prendre le temps d'évaluer la durée du contrat est une sage décision. Il s'agit d'un facteur important qui peut influencer votre satisfaction professionnelle globale et votre évolution professionnelle. C'est vrai, Anna. Il est important de prendre une décision éclairée qui convient le mieux à votre situation. Absolument, John. Votre parcours professionnel doit être guidé par des considérations réfléchies. Je suis d'accord, Anna. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre les engagements à court terme et les objectifs à long terme. Leçon 21 Soyez prêt et quittez la maison. Il est toujours bon d'être préparé. Absolument. Être préparé permet d'économiser du temps et du stress. D'accord. J'ai l'habitude de quitter la maison à 7h du matin. Et vous Je pars à peu près à la même heure, à 7h30. C'est tôt. Est-ce que tu as du mal à te réveiller Parfois. Mais je règle plusieurs alarmes pour m'assurer de ne pas dormir trop longtemps. C'est une bonne stratégie. J'essaie de me coucher tôt pour dormir suffisamment. Le sommeil est important pour notre bien-être. C'est aussi une priorité pour moi. C'est super que tu prennes soin de toi. Je prépare également mes affaires la veille au soir. C'est intelligent. Je range mes vêtements et prépare mon sac à l'avance. Cela permet de gagner du temps le matin, n'est-ce pas Absolument. Je peux juste tout prendre et partir. J'espère que vous avez une bonne routine matinale tous les jours. Merci, j'essaie de le rendre le plus efficace possible. Leçon 22, plan de fin de semaine. Le week-end approche. Des projets Pas vraiment. D'habitude, j'aime me détendre et me détendre. Ça a l'air sympa. J'aime aussi passer du temps à la maison. C'est un excellent moyen de se ressourcer après une semaine bien remplie. Absolument. Parfois, je rattrape mon retard sur mes émissions de télévision préférées. C'est ce que je fais aussi. C'est agréable de se divertir un peu. Je suis d'accord. Il est important de trouver du temps pour les activités de loisirs. Absolument. Et toi As-tu des projets pour le week-end Pas encore, mais il se peut que je fasse une randonnée si le temps le permet. Ça a l'air merveilleux. La nature peut être si rafraîchissante. Oui, c'est un excellent moyen de communiquer avec le plein air. Je vous souhaite un excellent week-end. Quoi que vous décidiez de faire. Leçon 23 Des choix stylés. J'ai besoin d'acheter de nouveaux vêtements. J'espère qu'ils en ont des stylés. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose qui nous plaira. De nombreuses options s'offrent à vous. C'est vrai, il est important de trouver des vêtements qui nous mettent en confiance. Absolument. Bien s'habiller peut renforcer notre estime de soi. Je suis d'accord. De plus, il est toujours agréable de mettre à jour notre garde-robe. C'est une excellente occasion d'essayer de nouveaux styles et tendances. J'ai hâte d'explorer différentes options. Nous pouvons également demander des recommandations à des amis férus de mode. C'est une bonne idée. Il est toujours utile d'obtenir un deuxième avis. Assurons-nous également de profiter de l'expérience d'achat. Leçon 24. Encourager les autres. Je crois qu'il faut montrer l'exemple. Pareil ici. Nous devons encourager les autres à faire de même. Absolument. Nos actions peuvent inspirer des changements positifs chez les autres. Il est important de soutenir et de motiver ceux qui nous entourent. Nous pouvons partager nos expériences et offrir des conseils en cas de besoin. De cette façon, nous pouvons créer une culture de croissance et de progrès. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Encourageons les autres à réaliser leur plein potentiel. C'est un état d'esprit merveilleux. Je suis content que nous le partagions. Leçon 25. Faire une réservation. Cela fonctionne. Pouvez-vous me le réserver, s'il vous plaît Bien sûr. Je vais terminer la réservation pour vous. Merci, Anna. J'apprécie votre aide. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de vous aider. C'est génial d'avoir quelqu'un de fiable comme toi. Je fais de mon mieux pour être utile chaque fois que je peux. Eh bien, tu fais un travail fantastique. Merci encore une fois. De rien, John. C'est avec plaisir que je vous aide. Leçon 26: Conseils pour rester en bonne santé. Et, hey, avez-vous des conseils pour rester en bonne santé? Absolument. Une alimentation équilibrée est essentielle. Que puis-je faire d'autre Il est également important de faire de l'exercice régulièrement. Quelle quantité d'exercice dois-je faire Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Cela semble faisable. D'autres conseils Assurez-vous de rester hydraté en buvant suffisamment d'eau. C'est une bonne remarque. Rien d'autre Dormez suffisamment pour améliorer votre état de santé général. Je vais essayer de donner la priorité au sommeil. D'autres conseils Évitez le stress excessif et trouvez des moyens de vous détendre. C'est logique. Un dernier conseil N'oubliez pas de prendre également soin de votre bien-être mental. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil. Leçon 27. Atteindre le public cible. Comment atteignez-vous le public cible Nous utilisons des campagnes sur les réseaux sociaux. Quelles sont les plateformes les plus efficaces Cela dépend du public cible, mais Facebook et Instagram sont des choix populaires. Comment faire en sorte que les campagnes soient couronnées de succès en créant du contenu attrayant et en utilisant des publicités ciblées. Qu'en est-il de la mesure de l'efficacité de la campagne Nous analysons des indicateurs tels que la portée, l'engagement et les conversions. Comment pouvons-nous améliorer les campagnes En surveillant et en optimisant en permanence les publicités. Y a-t-il d'autres stratégies que nous pouvons utiliser? Les collaborations avec les influenceurs et le marketing par email peuvent également être efficaces. Intéressant. Un dernier conseil: Restez au fait des dernières tendances et adaptez vos stratégies en conséquence. Leçon 28 Modalité du contrat. Nous avons reçu les termes du contrat. Quel point spécifique recherchez-vous Je suis intéressé par les conditions de paiement et le calendrier de livraison. Avez-vous des inquiétudes concernant les conditions de paiement Je veux m'assurer que le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la facturation. Cela semble raisonnable. Et qu'en est-il du calendrier de livraison J'ai besoin de précisions sur le délai de livraison estimé et sur les éventuelles pénalités de retard. Je vais passer en revue ces points et vous recontacter. Rien d'autre Il serait utile de connaître les termes et conditions de la garantie. Je vais m'assurer de l'inclure dans la critique. D'autres points Nous devons également vérifier les éventuelles clauses de résiliation et procédures de résolution des litiges. Leçon 29, ajuster l'ordre. Absolument, nous pouvons l'ajuster à votre convenance. Qu'est-ce que tu préfères Super. Je vais opter pour le curie alors. Notez. Y a-t-il un niveau de piquant spécifique que vous préférez Un piquant moyen serait parfait pour moi. D'accord, c'est moyennement épicé. Rien d'autre Pourrais-tu ajouter des légumes supplémentaires au curry Bien sûr, nous pouvons ajouter une variété de légumes. Des questions spécifiques J'aime les poivrons, les carottes et les brocolis. Notez. Nous allons inclure ces légumes dans le curry. Rien d'autre C'est tout. Merci d'avoir tenu compte de mes préférences. Leçon 30. Nouveaux smartphones et vitesse. Et, tu as vu les nouveaux smartphones Oui, ils sont magnifiques. Que recherchez-vous J'ai besoin d'un téléphone plus rapide. Mon modèle actuel est trop lent. Je comprends, la vitesse est définitivement importante. Quel téléphone recommanderiez-vous pour des performances rapides Le dernier modèle de la marque XYZ offre une vitesse et des performances excellentes. Cela semble prometteur. Est-ce qu'il a aussi un bon appareil photo Oui, il dispose d'un appareil photo de haute qualité doté de fonctionnalités avancées. Parfait. Qu'en est-il de l'autonomie de la batterie L'autonomie de la batterie est également impressionnante puisqu'elle dure toute la journée avec une utilisation régulière. C'est exactement ce dont j'ai besoin. D'autres caractéristiques notables Il possède une grande capacité de rangement et un design épuré. Ça a l'air d'être le téléphone parfait pour moi. Je vais aller y jeter un œil. Leçon 31 Capacité de parole. La capacité à parler est une compétence précieuse dans le monde d'aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. Une communication efficace ouvre de nombreuses portes cela aide dans les relations personnelles et professionnelles. Absolument. Une bonne communication favorise la confiance et la compréhension. Cela permet également d'exprimer clairement les idées et les pensées. C'est vrai, cela garantit que notre message est correctement transmis. De plus, cela renforce la confiance et l'estime de soi. Absolument. Parler bien fait bonne impression. Cela vaut la peine d'investir du temps pour améliorer nos compétences orales. Je suis d'accord. La pratique et l'apprentissage peuvent faire toute la différence. Nous devons explorer les possibilités d'améliorer notre communication. C'est une excellente idée. Les ateliers et les cours peuvent être bénéfiques. Nous pouvons également engager des conversations avec diverses personnes. Oui, cela nous expose à des points de vue et à des idées différents. L'amélioration continue est essentielle pour devenir un conférencier efficace. Leçon 32 Expérience insulaire. Waouh, ça a l'air incroyable. À quoi ressemble l'île C'était époustouflant. Des plages immaculées et une végétation luxuriante partout. Y avait-il des sites ou des attractions uniques Oui, il y avait un magnifique phare au sommet d'une falaise. Cela devait offrir une vue fantastique sur les environs. Absolument. Nous pouvions voir les eaux turquoises et les îles lointaines. Avez-vous essayé des activités nautiques comme la plongée en apnée ou le surf Oui, j'ai fait de la plongée en apnée et j'ai vu des récifs coralliens et des poissons colorés. Cela semble incroyable. J'adorerais en faire l'expérience. C'était vraiment inoubliable. La beauté de la nature était à son meilleur. J'ai envie de planifier un voyage sur une île similaire maintenant. Je le recommande vivement. Tu ne seras pas déçu. Merci de partager votre expérience. Cela ressemble à un rêve. Leçon 33. Planification de la retraite. Nous devrions avoir suffisamment de temps pour préparer notre retraite. Je suis d'accord. Nous voulons que cette retraite soit confortable. Nous devons commencer par fixer des objectifs financiers clairs. C'est essentiel. Cela nous aide à rester concentrés et motivés. Nous devons également tenir compte de notre mode de vie et de l'âge de départ à la retraite souhaité. Absolument. Cela nous aidera à estimer nos besoins financiers. Pour un avenir sûr, il est essentiel d'épargner et d'investir judicieusement. Oui, nous devrions explorer différentes options d'investissement. Et il est important de revoir et d'ajuster régulièrement nos plans. D'accord. Les circonstances peuvent changer, c'est pourquoi la flexibilité est essentielle. Nous devons également tenir compte des besoins en matière de santé et d'assurance. Absolument. La planification des dépenses médicales est essentielle. Grâce à une planification minutieuse, nous pouvons profiter d'une retraite sereine. Leçon 34. Contrôle des portions. Je dois m'aider à mieux contrôler mes portions. C'est une décision intelligente. Le contrôle des portions est important pour la santé. Une autre astuce consiste à limiter votre consommation d'aliments riches en calories. Absolument. Ceux-ci peuvent contribuer à la prise de poids. Il est également utile de manger lentement et de savourer chaque bouchée. Oui, cela permet à notre cerveau de s'enregistrer lorsque nous sommes rassasiés. C'est une bonne stratégie. Cela aide à réduire la taille des portions. Éviter les distractions en mangeant peut également éviter de trop manger. Absolument. Se concentrer sur le repas nous aide à écouter notre corps. Et vous pouvez vous y adonner de temps en temps, mais avec modération. Leçon 35. Loisirs. Et quel est ton hobby favori J'aime lire. C'est un excellent moyen de se détendre et d'apprendre. La lecture est en effet un merveilleux passe-temps. Moi aussi, je l'adore. Qu'en est-il de toi Quel est ton passe-temps favori Jouer de la guitare me passionne. C'est mon échappatoire. C'est génial. La musique peut être tellement thérapeutique. Je suis totalement d'accord. Cela me permet de m'exprimer. Les loisirs sont essentiels à la croissance et à l'épanouissement personnel. Ils permettent de rompre avec la routine et de stimuler la créativité. Absolument. Les loisirs apportent de la joie et un sentiment d'accomplissement. Il est important de consacrer du temps aux activités que nous aimons. Oui, ils enrichissent notre vie et nous rendent plus heureux. Je suis tout à fait d'accord. Les loisirs sont un trésor précieux. Leçon 36. Les restaurants du parc. Y a-t-il des restaurants dans le parc Non, il n'y a pas de restaurant, mais il y a quelques aires de pique-nique où nous pouvons apporter notre propre nourriture. C'est bon à savoir. Je suppose que nous pouvons pique-niquer alors. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Nous pouvons apporter des sandwiches et des snacks. Cela ressemble à un plan. Je vais aussi m'assurer d'emporter des boissons. Super. Ce sera une belle journée dans le parc. Je suis d'accord. C'est toujours agréable de profiter de la nature et de prendre un repas en plein air. Absolument. C'est un changement rafraîchissant par rapport au restaurant. C'est ce que je pense aussi. De plus, il peut être plus économique. Absolument. Nous pouvons économiser de l'argent en apportant notre propre nourriture. Je l'attends avec impatience. Ce sera une journée amusante et relaxante. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de notre temps dans le parc. En effet, ce sera une expérience formidable. Leçon 37. Se détendre à la maison. Pas aujourd'hui. Je pense que je vais probablement me détendre à la maison. Ça a l'air sympa. Parfois, il est bon de faire une pause. Oui. J'ai l'impression d'avoir besoin de temps pour me détendre et me ressourcer. Je comprends, il est important de donner la priorité aux soins personnels. Absolument. Cela nous aide à être plus productifs sur le long terme. Tu as raison. Il est essentiel de trouver un équilibre entre travail et détente. En effet. Cela nous permet d'être plus concentrés et plus efficaces. Je suis tout à fait d'accord. Alors, profitez de votre journée de congé à la maison. Merci, j'en profiterai au maximum et je passerai une journée productive. C'est bon à entendre. Prenez du temps pour vous et profitez-en. Je le ferai. Merci de votre compréhension. Leçon 38. Acheter des fruits pour les collations. C'est une bonne idée. Je pense que je vais probablement aussi acheter des fruits, comme des pommes et des bananes. C'est un choix sain. Les fruits sont d'excellentes collations. Oui, ils sont nutritifs et délicieux à la fois. Absolument. Ils fournissent des vitamines et de l'énergie. Je suis d'accord. Je me sens toujours bien après avoir mangé des fruits. C'est une façon intelligente de satisfaire votre envie de sucrerie sans vous laisser tenter par des collations malsaines. Absolument. De plus, les fruits sont faciles à transporter et à manger sur le pouce. C'est vrai, vous pouvez les déguster comme collations rapides et rafraîchissantes. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de choisir des options saines. Moi aussi. Il est important de prendre soin de notre bien-être. Absolument. Alors, prenons des fruits et dégustons nos collations. Leçon 39, ambiance et abordabilité. Quelle est l'ambiance de ce restaurant Il dégage une ambiance chaleureuse et accueillante. C'est très agréable. C'est bon à savoir. J'aime dîner dans une atmosphère agréable. Oui, cela améliore l'expérience culinaire globale. Je suis d'accord. L'ambiance peut rendre un repas plus agréable. Absolument. Cela crée l'ambiance d'une excellente expérience culinaire. Ça a l'air merveilleux. Je l'attends avec impatience. Cependant, je ne suis pas sûr des prix. Cela peut coûter cher. C'est une préoccupation légitime. Nous devons vérifier le menu et les prix à l'avance. Je pense que ce serait une bonne idée. Nous ne voulons pas de surprises. Absolument. Il est également important de prendre en compte l'abordabilité. Je suis content que tu comprennes. Prenons une décision éclairée. Leçon 40, Préférence en matière de literie. Très bien, nous allons réserver une chambre d'hôtel. Vous souhaitez un lit simple ou double Un lit simple me conviendrait. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Très bien, je vais en prendre note. C'est un lit simple. Merci, j'apprécie votre considération. Pas de problème, je veux m'assurer que tu es à l'aise. C'est très gentil de ta part. Je suis sûre que tout ira bien. Je suis content de l'entendre. Nous aurons une chambre confortable pour notre séjour. Oui, ce sera un endroit confortable pour se reposer et se détendre. Absolument. Une bonne nuit de sommeil est importante lors d'un voyage. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir pris soin des arrangements. Tu es le bienvenu. Je veux que tout se passe bien.